What's up tout le monde, c'est Christo. Aujourd'hui on se retrouve pour les Breaking News. Et attention, c'est très important aujourd'hui puisque je vais vous parler quand même de GTA V, mais d'une petite information qui vient d'apparaître il y a très peu de temps, mais surtout très importante comme je vous l'ai dit, parce que ça va, on va dire, ça va être assez conséquent dans l'avenir. Alors là principalement, ils ont, enfin, au niveau des informations, c'est sorti beaucoup à propos de la plateforme PC. Après, je sais pas du tout si sur la plateforme PS3, enfin en gros sur les anciennes générations de consoles et sur les nouvelles générations de consoles, il y a aussi cette nouvelle règle qui va commencer à venir. Pour vous dire franchement, les choses cash, Rockstar sont en train de changer un peu leurs conditions d'utilisation. Alors, ça porte pas vraiment ce nom. Ça portait un autre nom, mais assez compliqué. En gros, ils sont en train de changer un peu les règles au niveau du ban, au niveau des mods. Et Rockstar déteste les mods et il remarque que de plus en plus de personnes utilisent ces mods-là. Et d'ailleurs, comme vous pouvez voir un peu sur l'écran, bon. Et le problème majeur, c'est pour ça que je vous en parle, c'est en fait, c'est en train de bannir des gens qui, enfin, qui jouent à des mods dans le solo. C'est un truc de malade. C'est-à-dire que là actuellement, ils vont peut-être changer, on va dire, les règles et tout. Ils vont avoir la possibilité de vous bannir dans le mode en ligne, mais peut-être voire carrément vous interdire de jouer au jeu. Attention les gens, alors pour l'instant l'information elle est sortie que pour des gens qui se sont plaints en fait tout simplement, mais sur la plateforme PC, je vous montrerai quand même quelques petits leaks sur l'écran, ça reste à voir, peut-être que ça peut changer et tout, pour l'instant il n'y a rien de confirmé, mais apparemment il y a déjà des plaintes qui sortent et qui disent voilà, je me suis fait complètement bannir du jeu, et bah, en gros faut qu'il rachète un jeu, qu'il se recrée un autre compte et qui voilà, qui ne fasse pas de mode. Après, je peux comprendre que les mods ça peut être relou en mode multijoueur, mais dans le mode solo quand même c'est différent, et je pense que là c'est quand même quelque chose d'assez abusif. Je sais pas ce que vous en pensez vous, mais moi quand j'ai vu l'information je me suis dit oh putain, en plus moi c'est vrai que je fais pas mal de mods en mode solo, en mode en ligne j'ai un peu testé tout, mais c'est pas trop mon kiff, en mode en ligne, ouais, voilà, et en mode solo, bon ça me dérange pas, puisqu'on peut quand même se créer des petits trucs intéressants. C'est un peu comme ce que j'ai mis sur la chaîne communautaire, que j'ai aussi, et que si vous voulez regarder tout, c'est dans la barre des commentaires. J'avais mis une vidéo d'une personne, très belle vidéo, où il avait créé un bateau de guerre dans GTA V, magnifique, c'était un mode. Et je trouve ça assez dommage d'empêcher en fait les gens de produire ce genre de choses, parce que je trouve que bah, c'est déjà la personne, voilà, il a passé du temps dans le jeu et tout, et c'est pas finalement pour détruire le jeu, c'est, je trouve ça assez fun. Enfin voilà, après c'est sûr qu'on a tous des avis différents. Moi je trouve ça très dommage. Si dans l'avenir je vais vous faire vraiment afficher des très bonnes images sur l'écran, c'est un peu compliqué le nom, mais en gros c'est une des sortes de conditions d'utilisation et tout au niveau du ban et tout. Ils peuvent pas virer comme ça. Il faut qu'ils changent les règles et après ils auront la possibilité de le faire. Mais j'espère vraiment qu'ils ne le feront pas. Voilà, mais surtout les gens, de mettre un petit j'aime à la vidéo, mais surtout de partager cette information là, c'est-à-dire que en fait finalement vous pouvez pas faire grand chose à part voilà faire très attention et de prendre beaucoup plus de précautions, et surtout d'attendre un petit peu pour voir si Rockstar vont changer d'avis et tout, ce qui est tout à fait possible, puisqu'ils peuvent être bien sûr influencés aussi par le public. Si le public, tout le monde se met à râler, ils peuvent tout à fait changer d'avis. Et puis pour l'instant c'était que sur la plateforme PC, si je dis pas de bêtises, voilà, pour l'instant rien à craindre sur les autres console, mais attention, ça peut peut-être arriver.